It is now time to begin our question and answer period. Your turn to ask your questions and have your say. Before we begin answering and taking questions from across the country, let's fill up the stage with those who will answer. So, Rémi Racine, Humer Lacroix, I welcome you back to the stage. I'd also like to invite Heather Conway, Executive Vice President of English Services, Louis Lalonde, Vice-President Principal Service Francais, John Bertrand, Senior Managing Director, Manitoba and Saskatchewan, and Pierre Guérin, Director des Services Français, Région de l'Ouest, also to join us on stage. How did I do? Very good. Très bien, Marcy. Thank you. My husband Jean-Paul will be thrilled. Everyone available to answer your questions about CBC Radio Canada, and a reminder that people on the web all across the country are submitting questions today via Twitter and through email. Carla, Marcy, just a sec. Yes. I have to thank you for an amazing job putting together these stories. How can you not be inspired? This is what the public broadcaster tries to do, trying to influence, trying to share ideas, trying to engage in communities. One of our very important piece in the 2020 strategy is using the engagement in communities as our fifth platform, and we thank you very, very much. It was spectacular. Alors, rapidement, avant de passer aux questions, juste les petits rappels. Donc, pour les gens ici dans la salle, il y a un micro qui est là, oui. Il y a un micro qui est là. Donc, s'il vous plaît, posez des questions courtes, une question par personne. Les gens en haut, vous venez en bas. Et bien sûr, ceux qui nous suivent via le web, vous pouvez nous écrire à l'adresse apa@radio-canada.ca. In English, you can write to us to apm@cbc.ca. Vous pouvez aussi envoyer vos questions par Twitter. Je vous rappelle le mot-clic, RC Communauté. Via Twitter, you can write to us to #CBCCommunity. I'll just repeat that the audience in Convocation Hall, once again, on Anglais, so if you want to make your way down to the microphone at the back of the room, one question, we're going to try to get as many questions in as we can, so if you are at the microphone, if you care to share your name, that would be great, but it's not something that we require you to do. And also a reminder for those here in the room today, because of course we are all here together, the panelists will take some of the questions on site after the event as well, so there will be a little bit of time for that. And now let's begin. Our first question, I believe, comes on online. Oui, alors c'est une question qui vient de Twitter. Ça s'adresse à Hubert Lacroix. Ça vient de Joël Lafont et Joël demande, Radio-Canada vit des compressions importantes. Quel modèle de financement pourrait être adopté? Comment faire? Je vais essayer de répondre aux questions dans les deux langues, mais je vais commencer par la langue dans laquelle la question m'est posée. Dans un environnement comme le nôtre, il faut absolument avoir des conversations sur le modèle de financement. Ça fait plusieurs mois qu'on raconte que dans un environnement où c'est bâti en fonction d'un modèle où les revenus publicitaires assuraient aux radio-diffuseurs publics, les revenus publicitaires, une espèce d'équilibre en fonction des crédits parlementaires qui diminuaient et de l'encouragement du CRTC et des gouvernements à travers les années, on avait un modèle de financement mixte. Si les revenus publicitaires disparaissent de cette équation-là, il va falloir qu'on les remplace d'une certaine façon. Il y a toutes sortes de modèles qui existent sur la Terre. En France, en Espagne, on donne une portion ou un pourcentage des revenus qui proviennent des grands des Internet Service Providers. Ailleurs, on impose une taxe aux personnes lorsqu'ils achètent un téléviseur en Angleterre. En Allemagne, on prend un household fee, c'est-à-dire un frais qui est fonction ou une taxe qui est fonction de votre environnement où vous demeurez. Il y a toutes sortes de modèles de financement et c'est justement ça qu'on va essayer d'avoir comme conversation. How do we finance in a robust way, in a multi-year way, the public broadcaster? This is the conversation for Canadians. Our second question, also for Hubert, Louis or Heather. It's from Brian Hill online. How will CBC remain an impartial public broadcaster as advertising revenues increase in importance? Heather, I saw you jump on that question. We're not influenced by advertisers in terms of our editorial decisions or our content. There are opportunities for
advertisers who want to participate in creation and dispersion of great content. We see it with lots of amateur athletes who need support. I know that for our Parapan athletes as well, there's lots of corporations and sponsors who genuinely want to support those athletes, and they want to participate in some of the content creation that goes on. But it's not, you know, we're very, very clear on where the line is between the editorial content and the entertainment value of a show, and where the intersection is between the advertiser's interests. It's an issue that a lot of entertainment companies are grappling with, you know, and sometimes, you know, it's usually pretty obvious. If you have too much advertiser, it's bad television. If you have, you know, a great TV show that doesn't get any advertising, that's also usually bad television if no one's attracted to it. So it's a... I also think that we have a very clear distinction between the mandate that we have as a public broadcaster and the importance of keeping that distance with respect to any kind of commercial interest or corporate interest that we would have. So, and we have a board and we have all sorts of methods by which we ensure that that independence is kept. Heather, you can keep the microphone. This is also online. It's directed, the question for you. It says, how are you addressing your mandate as it relates to Aboriginal programming specifically? Well, I mean, I think John Bertrand can also speak to this issue because in terms of our radio and digital operations, we have, they're headquartered here for our digital for the cbc.ca/Aboriginal website, which is, I'm delighted to say, one of the most active and popular websites for First Nations that we have in this country. We are also involved in all kinds of radio programming. I think those of you who enjoyed New Fire with Lisa Charlie Boy this summer on CBC Radio 1, and we have a new show called Unreserved, also not a summer show, but a permanent show now, that was developed here in Winnipeg. In terms of television, I've met with Jean LaRose a couple of times at APTN, and we are going to be co-producing a documentary series with APTN about the missing and murdered, and that's going to start production this fall. And I'll pass it to John for... We are very much engaged. Part of our mandate here is to connect and reflect Indigenous people right across the country. The diversity of Indigenous people, the dynamic nature and change that is going on all across the country. And we are, I think, beginning to tell more stories, better stories, deeper stories, and stories that really resonate from the community and don't come from an agenda or a press conference or just from conflict. Stories that I think really challenge some of the stereotypes that are still inherent in this country. So we've got a ways to go. It's not all there yet, but I like some of the things that we're doing. I just add two things. One, you know, we aired Blackstone, which was a great series produced by APTN. And our feeling was not enough people saw that series. You know, APTN does not have the leverage and marketing budgets that the CBC does. And so we felt by putting it on the CBC, it would expose it to a whole bunch of people who would otherwise never see it. And so we did that. And the other thing that we're doing is our news departments are all looking for and identifying Aboriginal spokespeople and experts on non-Aboriginal issues. There are Aboriginal economists, there are Aboriginal doctors, there are Aboriginal, and often what you see in the media is people turn to an Aboriginal spokesperson only on an Aboriginal issue. And that, again, sort of keeps that community in a place that isn't appropriate and isn't, you know, fully showcasing all the skills and expertise. Mm-hmm. Thank you. So, je vous ai parlé beaucoup de mots-clics et de courriels, mais on a aussi des gens dans la salle. We also have people here that want to ask questions, so we're going to go with you. And I have a question for Mr. Hubert Lacroix, because when there is a question that's really important, or a request that's really important, take it right to the top. Cross-country checkup has been a very, very important thing in my life, but it's also been important to us as Canadians. It's really pulled us together from across the country, and I'm glad to see that it's continuing despite the departure of our host of the last 21 years.
Because what it does is it makes sure that important issues are not silenced. Here in this country, many women and men who want to see an egalitarian and a just and a healthy society were very disappointed that the women's debate got shut down. But we have another opportunity. We have a cross-country forum, an ability to bring in voices from coast to coast to coast to make sure that these issues that women recognize are important but are important to all of us in society get properly addressed in a way that we have done. So my request is that we have a, that we have a cross-country checkup show that focuses in on women's issues before we have to go to the polls, please. I heard. Thank you. And you have the people in front of the room who are listening. Thank you. Thank you. A request nonetheless, not a question. So just remind you to try to pose in terms of a question. We will take another room, a question from the floor. If you wanted to walk up to the mic, let us know who you are and what your question is. Yeah, we're just making our way to the microphone here in the hall at University of Winnipeg. Hello there. Bonjour tout le monde. Je me présente, Mona Odette. Je suis mémé de deux petits-enfants, je suis maman de trois filles, je suis directrice générale de Pluriel et je suis trésorière de l'AFCFA du Canada. Alors, je suis une francophone engagée. Vous savez très bien que la loi sur les radiodiffusions confère à Radio-Canada de refléter la globalité canadienne et de rendre des comptes sur la diversité régionale du pays, tant au niveau provincial que national. Alors, je suis d'accord qu'il y a des changements, je suis d'accord qu'on veut réviser les choses, mais en tant que mémé, maman, francophone, j'aimerais savoir, et le 1 sur 2 que vous avez dit Radio-Canada, moi j'écoute la télé, j'écoute la radio, j'écoute le 6 à 9, j'écoutais Vincent Duroux avec ses entrevues, je suis une mordue de Radio-Canada, mes amis d'ici le savent. Réinventer Radio-Canada, est-ce que ça veut dire de ne pas encore parler des 2,6 millions? On a eu la preuve lors des débats des chefs, il n'y avait aucune question sur les francophones à Québec. Est-ce que ça veut dire qu'en tant que direction générale de Pluriel, Radio-Canada m'aidait à promouvoir mon organisme, m'aidait à influencer ma communauté, m'aidait aussi dans le domaine en travail social de vraiment faire des changements sociaux dans nos communautés francophones? Ça veut dire quoi? Alors, je demande à Radio-Canada de vraiment revisiter vos choses. Je suis une francophone, je paye mes taxes et je demande à Radio-Canada de me représenter et de m'aider à faire mon travail de promotion et de service auprès de la communauté. J'ai entendu vos commentaires, madame. Est-ce que je peux adresser, parce qu'il n'y avait pas de question dans votre intervention qui est fort bien bâtie. Ma question est comment allez-vous faire pour continuer à m'aider et changer vos choses pour vraiment nous représenter? Alors, je vais parler du débat, puis Louis parlera ensuite de l'importance que nous attachons à nos présences dans les régions, parce qu'on a toujours dit, moi je l'ai répété, je pense que c'est ma phrase, on ne peut pas être un radiodiffuseur public sans être complètement enraciné dans les régions. Donc, ça a été, depuis 2008, la thèse qui soutenait notre plan vers 2011 et encore une fois vers 2015, et celui qui soutient vers 2020. Mais je veux parler du débat parce que c'est quelque chose qui a été longuement discuté. Le débat a été, s'est fait sous cinq grands thèmes. Ces cinq grands thèmes-là avaient comme objectif, dans un débat français de deux heures, d'être le plus inclusif possible, de parler de sujets qui intéressaient tout le monde, tous les Canadiens, d'un océan à l'autre, et ne représentaient pas les intérêts d'un groupe en particulier. On a fait ces questions-là dans cet objectif-là, un objectif d'inclusion. Il faut se rappeler aussi que notre objectif de couverture d'une campagne qui dure depuis 90 jours, et je pense que ça, on l'a très bien fait, c'est de faire en sorte que partout à travers le Canada, par nos reportages, que les enjeux qui sont régionaux, en fait locaux, municipaux, régionaux, provinciaux, soient soulevés par la qualité et par l'intervention de tous nos journalistes sur le terrain. Donc, oui, pendant ces deux heures-là, on s'est adressé au Canada tout entier qui parlait français et aux gens qui ont voulu s'intéresser à nous. Louis, je voudrais que tu parles un petit peu, s'il te plaît, de l'importance qu'on attache et les changements qu'on a faits pour refléter les régions et le feedback, les rétroactions qu'on a. Bien, premièrement, je vous dirais qu'à travers tout ce que vous avez entendu de négatif sur Radio-Canada, la présence régionale francophone est plus importante. J'aimerais préciser, monsieur, que je suis sur Facebook, Twitter et je défends toujours Radio-Canada. Je sais très bien. Je ne parle pas en mal de Radio-Canada. Je sais très bien. Non, mais ce que j'ai dit en mal...
les coupures, les effets néfastes, etc. Je veux juste vous dire qu'à travers tous ces défis-là, qui sont des défis constants auxquels on a dû faire face, la présence francophone de Radio-Canada est plus importante maintenant qu'elle ne l'était il y a 5 ans. Présence physique, présence sur différentes plateformes, présence à la radio, à la télé, mais aussi dans les médias sociaux. Et je sais que vous êtes une très, très bonne utilisatrice des médias sociaux, mais je vais vous rappeler qu'il y a 5 ans, j'avais des conversations ici même à Winnipeg, dans des rencontres que je faisais avec des gens de la communauté, et on demandait à ce moment-là, quand est-ce que Radio-Canada va se préoccuper en français d'avoir une offre sur les médias sociaux et sur le numérique. Et c'était tout un défi à l'époque. Et aujourd'hui, depuis une semaine, on a vraiment, comme vous pouvez le constater, une couverture active sur les plateformes numériques pendant 18 heures par jour. Et on est présent à la télé et à la radio avec des bulletins de nouvelles 7 jours par semaine, ce qui n'était pas le cas avant. Alors là-dessus, je pense qu'avec tous les efforts qu'on a faits, notre présence elle, s'est améliorée. Puis, si peut-être, Pierre, tu veux ajouter quelque chose spécifiquement sur vos enjeux de couverture. Je pense pas. À moins qu'il y ait quelque chose de plus précis par rapport à ce qui se passe ici chez mais nous. Mais regardons l'émission de Vincent Duroux qui interviewait les gens qui passaient à Radio-Canada dans l'après-midi. Oui. J'aimais ça parce que ça me permettait de comprendre les histoires de succès de nos communautés, des gens dynamiques. Mona, je vais peut-être juste expliquer pour les gens qui sont sur le web, ouais. Parce que c'est localement, c'est ouais. Ici, c'est okay. Au Manitoba. Juste une chose, on a c'est parlé une... d'inclusion. Donc, juste peut-être pour que les gens ailleurs au pays comprennent, c'est qu'ici au Manitoba, il y a 1 heure de radio qu'on avait la saison dernière. La grille a été transformée et cette heure-là n'est plus là, si je comprends bien. Je ne voulais pas dire qu'elle a disparu, mais elle a été transformée. Elle a été mise ailleurs. La grille a été transformée pour être harmonisée avec ce qui se passe au reste du pays, d'une part. L'émission que Vincent animait, qu'on adorait et dont je parlais au conseil d'administration ce matin même, c'est une émission qui est importante pour nous et on peut retrouver maintenant ces entrevues-là sur notre site web plutôt qu'à la radio. Voilà. Mais on peut bien voir que c'est donc l'engagement des communautés. Je pense que tout le monde a bien entendu, n'est-ce pas? Absolument. Nous allons poursuivre avec une autre question en français qui nous vient par courriel. Et c'est une question pour Hubert Lacroix. Quelle est la place des jeunes à Radio-Canada? Vous avez vu aujourd'hui la place des jeunes. Vous avez entendu Raphaël. Vous avez vu le nombre de talents qu'on essaie d'ajouter pour supporter notre plan, qui est un plan numérique vers 2020. Vous voyez tous les efforts que nous faisons pour essayer de comprendre cette génération-là qui consomme nos produits d'une façon entièrement différente. Alors, une place importante, des talents desquels on a besoin pour supporter le radiodiffuseur public qui est de plus en plus intéressé à être pertinent dans un environnement connecté complètement différent de celui qu'on connaissait. We'll go to a question on the floor now here in Winnipeg. Hi, I'm Tracy and I'm an Indigenous student and my question is directed to basically everybody. So from what our panelists are doing, what they have shared, they're doing an amazing job at helping our youth in the city, especially considering Winnipeg is the most racist city in the country. But my question is, what is CBC going to come together to do, not only now, but in a long-term plan to get the youth more involved in CBC radio, broadcasting, media, all of it together, not just Indigenous youth, but all youth together to make sure that they have a better tomorrow. So direct efforts to get youth more involved to improve their futures. Not sure who wants to start. One of the things, and Marcy was involved in it, and she may be able to just comment on it, we brought together, we had a project called Future 40, which identified these fantastic people who were change makers under 40 in this city, and we invited all of them, 30 came out with some additional people, for a forum on racism. And they closed the door. It was not about making a whole bunch of programming. It was about leading a conversation. And it was very impactful. I had so much feedback. But more than that, and it was great that these people were involved, I think the people for CBC learned a lot. Because for us to make great programming, we have to understand the community. We have to know what people are saying and what they care about and what their passions are and all of those sorts of things. And we need to reach out in more and more ways like that.
I would say the Indigenous site, it has one of the most active social media presences in CBC, and it is all about Indigenous youth all across the country. It's incredible conversations, and we know that so much is happening in that space that, again, is not about a press conference or about something that's going to be on the immediate agenda, but it's about being a part of a conversation that we're not currently part of right now, and we need to continue to do that. Oui, je vais te répondre en français. Bien sûr, moi, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est de s'assurer que les jeunes aient de la place dans tout ce qui se fait à Radio-Canada. Donc, c'est d'offrir des possibilités aux jeunes, des jeunes auteurs, des jeunes cinéastes, des jeunes qui ont des idées, qui ont des choses qui leur tiennent à cœur, de s'assurer que ces gens-là puissent pouvoir réaliser ce qu'ils ont à faire, que Radio-Canada continue de pouvoir être un foyer de réception d'idées et de s'assurer qu'on puisse aider à les réaliser et à les diffuser. Et ça, ça existe actuellement, ça va continuer, puis on va tout faire pour continuer à ça, puis on a des exemples dans tous les domaines. I would just add very quickly, we touch a lot more young people than people think. We have an incredible reach with millennials in this country, especially through CBC News. We also announced last week a partnership with Fullscreen, which is a multi-channel network that manages 2,000 Canadian internet YouTube stars, and we are helping to develop talent there, and they're helping us to learn about how young people are creating their own shows through that. I just wanted to add, because Joanne invited me to add with that event, it was very interesting. You mentioned millennials. I'm a Gen Xer. Millennials didn't want me to be there to be covering their story. They didn't want me to be there that day to be telling their story in some ways, even though it may have led to that. Millennials want to tell their own stories and be heard. They are a force to be reckoned with this generation, and that day, at least, I felt like at least CBC Manitoba, the best thing we did was probably turn the cameras off. And it's just a new time. The whole industry is changing, and the whole move to digital reflects that. And so the more I think we can do those types of events, while it's a different place for us to live, especially as journalists, it's a very different place for us to sort of come to understand stories. It's still a place of learning. So, yeah, it was an interesting event here. Millenniums born before me, after me? After me, right, I think I have 10 years. On va rester dans la salle, une question. Oui, bonjour, je m'appelle Laurence Lemaire. Je travaille ici à Winnipeg avec Janelle et Jérémy Wookie en documentaire. Et donc, ma question s'adresse à M. Lacroix. Considérant l'état actuel de la Société Radio-Canada, considérant qu'il y a eu des suppressions d'emplois d'est en ouest dans plusieurs stations du pays, et considérant qu'on est en période d'élection, est-ce que l'avenir de Radio-Canada doit être un enjeu électoral? Les conversations que nous entendons au chef du radiosphère publique dans le moment viennent de certains partis qui semblent avoir pris ou fait certaines promesses ou pris certaines positions vis-à-vis de radiosphère publique. Dans un environnement comme ça, notre rôle, c'est d'écouter, mais surtout, au niveau du radiosphère publique lui-même, s'assurer que nos journalistes continuent à couvrir les enjeux électoraux les plus importants, à ne pas donner d'opinion sur ces enjeux-là, mais à vous donner une variété d'opinions pour que vous puissiez rendre ou faire la vôtre et en arriver à une conclusion pour être mieux informé lorsque vous allez voter le 19 octobre. Dans ce contexte-là, il nous fait plaisir de prendre acte des conversations qui concernent le radio-diffusion public. Mais il n'y a pas de questions comme telles ou de revendications aux partis politiques en ce moment de la part de Radio-Canada. Les conversations dans le moment. Le radio-diffusion public est une société de la couronne qui n'a pas à et ne devrait pas, dans un environnement d'élection, je vais dire le mot en anglais, advocate. On ne peut pas faire ce genre de démarche-là. On s'assure cependant que nos journalistes font leur travail pour couvrir à travers le Canada, dans tous les environnements et toutes les provinces et toutes les stations, les enjeux électoraux d'une façon à rencontrer nos procédures journalistiques, nos normes et pratiques journalistiques. Question online, thank you. Are you planning, this is for Hubert as well, are you planning on selling all of your buildings as reported by the media in these last few weeks? And if so, why? I really have to smile on this one, sorry. Not, I don't want to belabor this point, this is an important one. But since 2011, in the context of the strategic direction we took, and again in 2015, this is all about taking
being more efficient, looking at our square footage, making sure that we take the resources that we have in walls and unused space and reinvesting it in content. We've reinventing ourselves, for example, in Halifax. In Halifax, we were in two separate buildings, about 700 or 800 meters from each other, on 7 different floors. Really complicated to try to work together in this kind of environment, right? So we actually moved all of these people into a 43,000 square foot new space. Everybody applauded. There were 3,000 people lined up at the door that visited our new spaces last week, or actually a month ago. We did the same thing in Moncton. We reinvented ourselves in Matane, in Rimouski, in Saskatoon. When we do this, it has a plan, it is thought out, and there's a purpose to it. We're just not. There's no fire sale going on, and there's no news around our strategy on real estate. It's been open and very transparent since 2011. Merci, Hubert. Alors, on va poursuivre ici dans la salle. Carmel Smith, a longtime CBC reporter and president of one of the CBC's unions. Mr. Lacroix, thank you for having a meeting today and talking about the CBC and its future. Under your leadership, you have implemented unprecedented and damaging cuts on the CBC, massive numbers, 2,000 staff, some 25%, crippling the CBC's ability to produce award-winning documentaries, to do quality Canadian programming, and to cover the news effectively across the country in French, English, and 8 Aboriginal languages. We heard you in Germany for the first time admit that you had been wrong in not raising the alarm earlier. We welcome that. And today, again, for the first time... Do you have a clear question? Yes, I'm getting to my question. For the first time, we hear you being very clear that the CBC is in a crisis. Thank you for that. I have 2 questions. What brought about your change of heart? And what are your plans to address it? How are you going to secure better funding for the CBC? And just one last thing. Given in this recent election campaign, we have seen increasing support for the CBC, including 3 of the 4 political parties pledging more money, better funding, and reversing the $115 million cut. Will you also be clear in that the way Canadians vote will affect the future of the CBC and Radio Canada? All right. Carmel, as you know, we've had this conversation many times before. Carmel is the head of the CMG. That's about half of our staff, so it's not the first time that we've interacted on this subject matter. And she will get the same answer she's unfortunately received all these times. So there's no surprise here either. To say that this is the first time that we've been clear about the model in which we are fighting for public broadcasting is not quite accurate. If you go back to the speeches that are public on our website, to the first speech I made in 2008 in the office, en face de la Chambre de Commerce de Montréal, we've always been fighting for the environment in which we are. The comments in Munich were about the whole of the public broadcasters in the world, because we all share the same issues. We all have the same issues. I can actually start reading you Mark Scott, who's got my job in Australia, his last speech. And you're going to find that the words are exactly the same ones that apply to us in Canada. You can listen to Tony Hall at the BBC, the director general there, his last speech on the regions. They're actually inspiring their speeches with our experiences. We talk all the time. My point in Munich, the point I repeated last week in front of deputy ministers in Ottawa, the point I'm trying to make again today, is that we've been very busy in trying to manage a really difficult environment filled with challenges of change, with the audiences changing the way they change, the way that you guys change the way you consume our products, our services, at the same time where we've had shrinking resources. In that environment, CBC Radio Canada has done a really smart turn. I see it taking form. I see what we're doing more and more in this relationship one-on-one happening. And it's going to accelerate, because if ever dollars came to us, we're not going back to the CBC of the years behind. We would accelerate the changes we're doing. We would accelerate the virage, the technological and the move towards digital. We would actually accelerate trying to give Louis and Heather more dollars for their content, whether it's radio, television, or online. We would accelerate this and not go back to what we were before. We can't go back, and we won't. We're taking our next question from the floor. Thank you. Merci, Walter Kleinschmidt, Somebody Fast.
Je voudrais revenir sur la question, l'avant-dernière question au sujet de la rationalisation, disons, des biens de Radio-Canada et demander à M. Lacroix qu'il amène au conseil d'administration à sa prochaine réunion une motion qui promettrait que les biens publics, les archives, les entrevues, les micro-sillons, tout ce qui a été collecté, qui fait partie de l'héritage de la culture de l'histoire du Canada, ne soit pas éparpillé et ne soit pas, on ne s'en débarrasse pas, tel que d'autres bibliothèques ont fait et tel que CKSB a fait il y a quelques mois, qu'on a pris tous leurs micro-sillons, les ont mis dans une chambre arrière d'un magasin pour être vendus à 25 sous. On a perdu tout l'héritage de l'évolution de la musique francophone Manitoba, tous les disques qui avaient été achetés, qui avaient des commentaires. C'était une histoire incroyable qui a disparu sans qu'on sache. Monsieur Klein-Schmidt, est-ce que vous avez une question? Oui, je voudrais une promesse du conseil d'administration que quand on vend des immeubles, quand on déménage, on ne met pas dans la poubelle toutes les archives de l'histoire du Canada qu'on a eu la chance, qu'on a payé pour, qu'on a développé et que le Radio-Canada a mis ensemble. Donc, c'est une demande. Merci. J'espère que vous l'avez entendue. Oui, mais je peux répondre, vous donner quand même un peu de contexte. Radio-Canada ne jette pas le patrimoine, il le conserve. Non, non. Tous les disques de CKSB ont été vendus. Je dois vous corriger. Tous les disques d'importance dans l'histoire de la musique francophone ont été conservés. Ce qui a été vendu ou laissé à la communauté, ce sont des doubles et des triples et c'était pas des items qui faisaient partie de l'histoire de la musique. C'est le même processus qu'on fait partout et je dois vous annoncer qu'on est sur le point d'annoncer la création d'un comité du patrimoine pour rassurer la population canadienne sur le fait qu'à chaque fois qu'il y a un élément qui ressort dans un contexte comme ça, rassurer que les plus grands spécialistes de la conservation vont venir conseiller Radio-Canada et CBC pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dilapidation. Mais je peux vous rassurer, et Pierre peut certainement confirmer, le patrimoine musical manitobain n'a pas été dilapidé. Je peux vous dire que moi, personnellement, j'ai vu les disques, je les ai ouverts avec des notes de couture et d'autres qui disaient « écoutez ça, pas écoutez ça, c'était une histoire, l'évolution de ce qu'on entendait. » Et ça aurait été des archives incroyables. Merci beaucoup. Oui, mais hier, c'est pas correct. Et puis, Monsieur Lacroix, Monsieur s'il vous plaît. Je vais vous demander, Patrick est là. On ne consomme plus. Vous pouvez continuer à parler avec Patrick. Patrick va prendre tout ça en note. Il faut aussi comprendre que c'est peut-être quelque chose de particulier au Manitoba. Il faudrait voir si ça s'est aussi passé ailleurs. On parlait de plusieurs types d'archives, on parlait d'entrevues, on parlait de documents écrits, on a des ententes avec le Centre du patrimoine, il y a des choses qui sont léguées, il y a un effort sans précédent qui se fait pour la préservation d'archives audio et vidéo depuis des années. Ce patrimoine-là, on est conscient de la responsabilité qui nous revient quand ça vient de protéger. Comme Louis l'a dit, les disques qu'on a laissés aller... pour la majeure partie, moi d'après, puis je me souviens, j'étais là. C'était des doublons, c'était des trips, c'était des choses qui avaient été soit préservées ailleurs ou qui avaient été préservées sous un autre format, en format numérique. Alors, voilà. Thank you, merci. I think we'll move to other questions. We may get back to the room. I just want to go online. Remember, we're taking questions from across the country this afternoon. This question is directed online. It was emailed. This is for Heather. It says, will CBC be investing in online platforms similar to Netflix? Like an over-the-top player? There is a CBC player. You can go on and you can find CBC programs on the CBC player. I know we are looking at updating our player. It's had some creaky issues in the last 6 months or so, and we have picked a vendor and we'll be implementing that shortly. So we do have an over-the-top ability for Canadians to look at our shows, and it's all free. And of course, our shows are available as well in the on-demand services of most of the distributors in the country. Question: is it like 2.tv, kind of, like in French? It's a different model. The player is just CBC content. 2.tv has alternate content as well and has different levels. Thank you very much. So we went to the web. We're going back to the floor.
Good afternoon. My name is Khaled Mahmoud, and I am a member of the local Ahmadiyya Muslim Association. A recent debate we heard, unfortunately, the real issue of the women's are not being addressed at the time, like missing indigenous women, women trafficking, and poverty and violence against women. But one issue came, and it was about the niqab, which I think is not an issue, but I think that's what in the forefront. And I like to thank you and appreciate that CBC is giving the balanced coverage on this issue. To me, it's a non-issue. There's a very 0.01%, I think there's only one woman that came in the front and now is the headline. And while we appreciate your comments on that topic, do you have a direct question? But that question is that I hope that CBC should give a more a balanced coverage on this issue, to educate it more to the Canadian people so they can understand this issue. And I think that because the CBC has only one avenue of the air in the habit, so you have that responsibility to give a balanced and unbiased coverage. And I thank you what you are for doing it. I appreciate what I'm hearing in the news, and I hope that you will continue to do that. So if I have any comment in that, I will appreciate that. Thank you for that. We heard your comment. Okay, we have, thank you for your comments, sir. We have a last question from the floor now. Exactly. I'll ask my question in French and in English. Ce sera plus rapide, en français et en anglais. Je m'appelle Gabriel Gosselin. Je suis chargé des communications et de l'information pour la division scolaire franco-manitobaine. I'm a communications agent for the Franco-Manitoban School Division, but also a former Radio-Canadien, a former CBC journalist with Radio-Canada. I think we can all agree that it's very important that the CBC be available on all platforms. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le service ou l'offre de Radio-Canada est mieux servi sur toutes les plateformes. Ce qui est plus nébuleux, what's more nebulous, however, is how both corporations are going to interact in the future. Ce qui est plus nébuleux, c'est comment les deux corporations, si en effet c'est les mêmes. Est-ce que nous allons voir plus de symbiose ou plus de synergie dans l'offre en anglais et en français? Will we see more synergy, more symbiosis in the offer that is made both in French and in English in the future? And if I can, one comment, un commentaire. Comme it's personne, brief only, I'm yeah, it's very brief. Thank you. C'est très rapide. Comme personne qui consomme et CBC et Radio-Canada, as a person who follows both CBC and Radio-Canada, I would really like to see the French website be as fast as the English one. J'aimerais énormément voir le site web de Radio-Canada être plus rapide. Surtout dans mon métier, on attend très longtemps pour l'actualisation. So your clear question and who it's directed to is what? Are we going to see with the new transformation more symbiosis in offer? Okay, thank you. On est très, très conscient, and it'll be a brief answer because I know we're running out of time. On est très conscient des deux auditoires. On est très conscient également des choses qu'on est capable de faire ensemble. Ici au Manitoba, quand je regarde John et Pierre travailler ensemble sur la livraison des nouvelles, sur la façon dont on va l'accueillir, les infrastructures qui se combinent, c'est très important qu'on puisse être le plus efficient possible là-dedans. Tout dans le respect, cependant, des auditoires francophones et anglophones à travers le Canada et des auditoires locaux, régionaux, provinciaux. Donc, oui, on est très conscient de ça. Le conseil d'administration constamment revient à la charge avec ce point-là. L'objectif, c'est de respecter les auditoires dans le mandat que nous avons d'éclairer, d'informer et de divertir. Merci beaucoup, Hubert. Yeah, thank you very much. Malheureusement, on a du temps limité aujourd'hui, donc c'est ce qui va conclure la troisième et la dernière partie de notre assemblée publique annuelle. J'allais dire assemblée générale, c'est pas ça du tout. Une petite astuce avant de vous laisser, même pour les gens qui nous suivent sur le web, les questions qui seront le plus souvent posées seront affichées sur notre site institutionnel de CBC Radio-Canada environ d'ici une semaine, ce qui veut dire que continuez à les poser aujourd'hui. Alors, je vous rappelle les adresses, c'est pour en français, que je retrouve ma feuille ici, donc apa@radio-canada.ca. In English, continue to ask your questions, apm@cbc.ca. Et merci beaucoup de votre participation à cette Assemblée publique annuelle aujourd'hui à Winnipeg.
Yes, thank you very much to all of our speakers and our presenters for the questions, the answers, and a good discussion here in Winnipeg. Whether you participated here in a Convocation Hall at the University of Winnipeg or online, please take Carla's advice, continue the conversation online, send your questions in to your public broadcaster, and the most frequently asked questions will be answered. There's a Jets game tonight, if you care to go. We have a long way to make playoffs. Thank you across the country for participating in CBC Radio Canada's annual public meeting. Thank you. Bonne fin de journée. Merci. Merci.